Hey, bien avant que cette vidéo commence, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'est le petit bouton avec la cloche qui se trouve juste à côté, donc tu cliques dessus et tu mets m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Ensuite, tu peux m'ajouter sur mon Snapchat qui s'ajoute directement à l'écran. Là, c'est très important, moi, tu seras au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et aussi, tu n'oublies pas de lâcher ton plus gros like en dessous de cette vidéo, ça ferait super plaisir. Allez, bonne vidéo. Hey, bien bonjour à toutes et à tous amis, c'est Firefrag, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve je sais plus ce que je dis, c'est pas grave les gars, on continue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, comme d'habitude ça ne change pas. Donc les amis, j'ai remarqué que la dernière vidéo comment invoquer Momo vous a énormément plu. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo comment faire le portail de Momo les amis. Donc pour le portail de Momo, j'ai demandé un maximum de likes. Vraiment n'hésitez pas à bombarder cette putain de barre des likes, vous me la faites exploser les gars. Et aussi mettez un commentaire, vous mettez hashtag Momo dans les commentaires, voilà. Comme ça, je reconnaîtrai les vrais, simplement. T'es un vrai si tu mets hashtag Momo. Donc du coup, mets hashtag Momo, c'est important quand même d'être un vrai. Donc voilà les amis, je vous en mets pas plus. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le portail de Momo, tout simplement. Donc du coup les amis, je viens tout simplement d'apparaître dans cette jolie map, voilà, qui est vraiment très jolie comme vous voyez. Donc j'ai un skin un peu nul, voilà, on va pas se le cacher. C'est pas grave, c'est le premier skin que j'ai pris tout simplement. Comme vous voyez, j'ai un appareil dans la map, donc il n'y a rien de modifié, etc. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va placer ce fameux portail pour aller dans le monde de Momo. Donc le monde de Momo, bah, c'est ce monde là en fait. Enfin, vous allez voir comment ça va se passer. Alors les gens, c'est très simple, il vous faudra donc du coup prendre bloc de charbon ainsi que il est où ce bloc, le béton blanc. Donc voilà, comme vous voyez. Donc du coup les amis, c'est un peu comme le portail du Nether, voilà. Il faut tout simplement faire comme cela. Hop, ensuite vous montez de 3 blocs, vous mettez ça, vous faites ça, hop, et là vous venez remettre, voilà, le béton blanc. Donc là le portail de Momo est donc fait. Donc là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la torche de redstone, la mettre ici, hop, là, là, là. Donc c'est, voilà, faut faire comme moi, hein. Vraiment vous faites comme moi si vous voulez le reproduire. Donc voilà, je vous invite vraiment à le reproduire les amis. Donc juste avant de passer dans le portail, je vous demandais à tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout vous activer la cloche de notification. Je sais que je suis chiant avec ça, mais la cloche de notification, n'oubliez pas, c'est vraiment très très important. Au moins t'es là, paf, t'es tranquille, t'as une notification sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordi, bref, sur ce que tu veux. Et là tu vois une nouvelle vidéo de Firefrax, tu cliques et hop, t'arrives, tu lâches ton like. Voilà, c'est comme ça que ça marche les amis. Donc je vous embête pas plus longtemps, du coup on passe dans ce portail. Voilà, pas besoin de rien activer. Logiquement quand on, wow, logiquement quand on passe dans le portail, Momo peut apparaître à tout moment dans le monde. Donc du coup c'est parti, let's go. Yes, c'est bon. Du coup, on est passé dans le portail. Donc, certains diront fake. Donc, je précise que ce portail, je l'ai simplement trouvé sur des vidéos américaines. Donc, voilà. Donc, ne dites pas fake. Je vais, moi, personnellement, j'y crois pas. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous prouver que, bien évidemment, c'est du fake. À part s'il se passe vraiment quelque chose arrivé à ce moment, ça ne sera pas du fake. Je sais pas ce que je dis, bref, c'est pas grave. Du coup, on continue. On va chercher Momo. Momo, où es-tu? Momo, où te caches-tu? Voilà, voilà. Donc, du coup, comme d'habitude, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça va être super important. Comme ça, si tu vois quelque chose de chelou, tu me le dis dans les commentaires. Et hop, moi directement, je vais voir si c'est vrai. Et plac, si c'est vrai, je refais une vidéo. Et hop, nouvelle vidéo de Firefrags. C'est pour ça qu'il faut activer la cloche de notification. Au moins, tu as toutes les notifications de mes vidéos. Je sais, je force avec cette putain de cloche de merde, mais qu'est-ce que c'est important cette cloche, parce que quand tu l'actives pas mec, je suis un inconnu pour toi. Tu me connais plus, tu t'es abonné mais tu me connais plus, voilà, tout simplement.
Donc du coup les amis, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, on va visiter la map. Donc aujourd'hui on est tout seul, ça risque d'être chiant. C'est pour ça que je vais beaucoup parler pour combler ce vide qu'il va y avoir. Voilà, tout simplement, il va y avoir un putain de vide, je vais être tout seul à parler. En gros je parle pour vous, en fait je parle tout seul. Et c'est cool quoi, c'est super cool, j'ai l'air de, je sais pas, quelqu'un qui parle tout seul en fait. Du coup c'est un peu gênant tu vois. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour faire nos petites vidéos, tout ça. Et bien évidemment, pour recevoir les notifications, faut appuyer sur la cloche. Bon, c'est bon, j'arrête avec ça, parce que là, ça devient vraiment, mais très très lourd. Donc voilà, on va éviter de se faire insulter dans les commentaires. Les gens vont me dire, ouais, Firefrax, tu veux juste faire des vues? Non, d'accord, on arrête, on se calme. Et on cherche Momo, d'accord les gens? Tout simplement. Alors, nous cherchons le gentil petit Momo. Momo, où te caches-tu? On va marcher un peu, on va faire un peu de marche sur la glace. Alors, donc là, nous sommes toujours dans un petit biome neige. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est Momo, je vous mets une petite photo de cette personne à l'écran. Momo, c'est tout simplement un démon, une sorte de démon qui est apparu sur WhatsApp. Donc, voilà, en gros, c'est Momo, quoi. Momo. C'est pas Mohamed, c'est Momo tout simplement. Et voilà, c'est une sorte de démon qui est apparu sur WhatsApp. Donc voilà, les gens pouvaient lui parler. Et Momo est très très méchante car elle a déjà. Enfin, apparemment, elle aurait déjà fait un suicide pour une fille qui serait suicidée par rapport à cette histoire. Donc voilà, donc je tiens à préciser aussi, ne faites pas, n'allez pas parler à Momo si vous trouvez même son numéro, n'allez pas lui parler, mais surtout pas les amis, c'est très dangereux, c'est vraiment une personne, en fait c'est même pas un démon, c'est une personne comme moi, comme vous, qui va simplement essayer de vous manipuler avec des mots, qui va vraiment essayer de vous manipuler pour vous fassiez ce que la personne vous dit de faire, et voilà quoi, elle va juste vous manipuler les amis, donc ne faites pas ça tout simplement, il faut pas faire ça, c'est vous faites manipuler en fait, ce truc ça vous retourne complètement le cerveau, ça joue avec votre cerveau en fait. Genre, vous avez peur, et comme vous avez peur, du coup, vous obéissez à cette personne. Mais il se passera rien, même si cette personne vous dit que vous allez mourir, il vous arrivera rien. C'est simplement n'importe quoi. Aussi, il y a plein de personnes qui me disent, ouais, mais Momo, il arrive à connaître ton nom. Mais en même temps, les amis, WhatsApp, ça passe par ton numéro de téléphone, et ton numéro de téléphone est directement. Enfin, comme tu sais, si tu as un abonnement téléphonique, il y a ton nom. Et c'est très très simple avec Google maintenant de trouver le nom de n'importe quelle personne avec juste un numéro de téléphone, les amis. Et c'est pour ça que je vous dis ça, mais c'est vraiment hyper simple, n'importe qui peut le faire. Si par exemple, bon, ne le faites pas, ne me donnez pas votre numéro, mais si par exemple un abonné me donne son numéro, je peux trouver son nom, prénom très très facilement. Et ça juste avec Internet, pour vous dire que Internet, tu peux tout faire avec, tout simplement. Avec Internet, tu fais tout ce que tu veux. Donc, aussi, il y en a, ils disent, ouais, c'est des hackers, tout ça. Il y a des youtubeurs, ils font des vidéos. Momo arrive à savoir qu'ils sont en vidéo. Oubliez pas qu'il y a toujours du fake, les amis, sur YouTube. Du fake, il y en a partout. Une vidéo sur deux, c'est du fake. Même voire plus. Hein. J'ai envie de te dire. C'est abusé quoi, 5 vidéos, alors on va dire 4 vidéos sur 5 sont fake, donc faites très attention à ce que vous regardez. Donc voilà, il y en a qui profitent de faire du fake pour buzzer, que ça partage et tout ça, bref, voilà quoi, c'est un peu leur objectif. Donc du coup là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la putain de nuit, mec, parce que là on se fait un peu chier, il n'y a toujours rien, donc toujours pas de Momo à l'horizon. Pourtant nous sommes passés dans le portail de Momo, je ne comprends pas. Momo, où es-tu? Momo, ne te cache pas, viens vers nous s'il te plaît. Voilà, j'ai fait un appel à Momo, du coup Momo devra arriver. Non mais sans déconner, ne faites pas ce truc, ne faites pas ce truc, c'est la putain de merde les gars. C'est, tu te mets dans une merde mais pas possible. Waouh, une faille qui bug, je vois des trucs buggés. Ok, du coup les amis, on va éviter de tourner en rond. Donc on va chercher par ici. Donc là des citrouilles, non, non, ça c'est absolument normal. Ok. Donc là nous avons un petit biome plein, donc on va aller chercher sur les montagnes, des jolies montagnes, voilà, des jolies montagnes. Ok. Alors,
Là, on a un petit village PNJ qu'on va visiter tout simplement. On va le visiter à pied. Oh, il m'a fait peur. J'ai trop peur. Ok, bonjour monsieur le... Ah bah ok, y a personne. C'est cool, je viens de prendre un vent. Monsieur le PNJ, où êtes-vous? Ah, vous êtes là, vous êtes tout seul dans votre... Ok, je suis tombé dans le puits. Vous êtes tout seul dans votre village. Ce que je vois. Il y a quelqu'un ici, attention. Eh oui, il y a quelqu'un. Pas beaucoup d'habitants dans un village, hein. Ok, on continue les amis, on n'est pas venu là pour admirer les PNJ. Hein. Évidemment, ça sert strictement à rien de venir pour admirer les PNJ. Du coup, on retombe dans un biome neige, il y en a absolument partout, on va partir par là. Ok, donc c'est enfin, tout simplement s'entourer de biome neige. Donc du coup, bah, on va aller un peu dans le biome neige. Oh, un igloo. Un igloo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé d'igloo. Tiens. Alors, bonjour. Bonjour, bonjour. Il n'y a pas un endroit où ça descend, genre sous les tapis. Attendez. Attendez, attendez. Mais avant, je croyais qu'il y avait... je sais plus si c'est ça, mais il y avait un sous-sol. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est ce genre de... Je sais pas si... Attendez, au pire, ça va aller plus vite. Hein. S'il y a vraiment un sous-sol, on va le trouver. Je sais pas si c'est les igloos réellement, mais je sais qu'il y avait un truc où voilà, c'était comme ça. Du coup, on va voir là, c'est un sous-sol. Ok, donc même si on a un sous-sol, en fait, on l'aurait pas vu parce qu'on a tout cassé. Bref, c'est pas grave, les amis, on continue. On vient d'y passer à ce village. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Alors. Donc là, petit barrage de... j'ai eu peur de ce lapin qui a fait un bruit absolument bizarre. Petit barrage de village de PNJ fait avec des arbres. Alors, ça va déjà faire 5 minutes qu'on est en train de filmer de nuit. Ça va déjà faire 5 minutes. Hop. Oh, un mineshaft. Je l'ai repéré de loin. Les mineshafts, c'est absolument top quand t'es en survie, mec. C'est un truc de ouf. Bon, après, il est en couche 30, donc c'est pas forcément le meilleur. Mais un mineshaft, encore une torche. J'ai remarqué que dans les mineshafts, beaucoup de torches étaient comme ça tombées au sol en fait. Et je trouve ça assez chelou. Sans vous mentir. Ok. Donc il y a absolument rien ici. On va remonter par là, voilà, parce que on est des aventuriers. On aime bien remonter par des endroits absolument insolites. On va poser une torche ici, comme ça, si un mec qui vient, alors, il tombe pas pendant le trou, il est prévenu. Même si absolument personne qui va rejouer dans cette map. Donc là, c'est la limite de map, je crois. Oui, c'est la limite de map. Donc les amis, on va trouver une petite montagne pour conclure cette vidéo. Ok, donc. Hop, on se met ici, voilà. Là, on est super bien. Donc, du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. Si elle t'a plu, mets un hashtag Momo dans les commentaires pour voir qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et lâche ton plus gros like, ça ferait super plaisir. C'était Firefrags, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.